Alors, notre projet à nous, c'est Menteur comme un soutien-gorge. Et donc, l'idée, c'est de proposer aux spectateurs, enfin, du moins aux visiteurs du musée, une petite immersion dans l'exposition Les Dessous de l'Isère, en lui proposant d'essayer les dessous de l'époque. Donc, je vous propose de me suivre, comme ça, on va voir un peu ce qu'il pourra vivre. Le mien, pas trop, j'espère. Non, en fait, l'histoire de cette phrase, si c'est ça le but de la question, c'est que, bah, en relation avec ce qu'on voulait expliquer dans notre œuvre, enfin, du moins dans notre dispositif, c'est que le corps de la femme est sculpté par la lingerie. Donc, c'est pas la forme naturelle de la femme qui va être exprimée dans la soutien-gorge. On le voit très récemment avec les push-up. On le voyait plus avant avec d'autres types de soutien-gorge qui donnaient une forme particulière à la poitrine. Donc en fait, c'est dans ce sens-là, c'est que c'est pas la forme réelle qui est montrée.